en parler maintenant. Nous sommes en compagnie du directeur général par intérim du commerce intérieur, Monsieur Oulaï François, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes avec vous dans le cadre de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure, et cela au titre de l'année 2014. C'est bien cela, madame. On y va. Ben, je voudrais vous saluer au nom de Monsieur le ministre du Commerce, saluer à travers vous toute la RTI de nous donner l'occasion de venir sur ce plateau pour parler un peu de nos activités. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au ministère du Commerce, il y a une direction qui s'appelle Direction de la métrologie, qui régit un peu tout ce qui est contrôle et vérification de tous les instruments de mesure qui sont en usage dans le pays. L'objectif et la finalité de ce contrôle, c'est de permettre au ministre de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de métrologie légale qui consiste à protéger en fait le consommateur et à lutter contre la cherté de la vie. Vous le savez mieux que moi, nos mamans qui vont sur le marché, les balances qui sont utilisées, si elles ne sont pas vérifiées, ça donne un peu l'objet à des manipulations. Et l'objet donc de cette campagne, c'est de permettre au ministère du Commerce, à la direction de la métrologie, avec elle, toutes nos représentations en région et en département, de procéder une fois l'an à la vérification de tous les instruments de mesure qui sont en service dans le pays. D'accord, par instrument de mesure, par métrologie, on entend les balances, tout ce Les qu'on balances, les utilise. distributeurs de carburant, tout ce qui est poids, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, même dans les pharmacies, dans les cliniques privées, dans les hôpitaux, Tout ce qui est susceptible d'être pesé tout ce qui est susceptible d'être ou pesé. Par exemple, si vous prenez un kilo de l'instrument riz. qui permet de mesurer le battement du cœur, le Ah, tout ça stéthoscope, aussi? oui, tout ça, ça fait partie des instruments de mesure. Bah, dis donc. Donc, c'est tous ces instruments-là que nous vérifions une fois l'an. C'est prescrit par la loi 62, c'est une loi importante pour le gouvernement, une loi importante pour le pays, une loi qui est toujours d'actualité, que nous avons cherché à réformer cette année, qui permet de catégoriser tous les instruments de mesure et permettre au ministère du Commerce de vérifier tous ces instruments-là. Alors, on apprend avec ce que vous êtes en train de nous expliquer que même dans le domaine médical, on parle également de métrologie. Donc, pour prendre la tension, C'est les battements de cœur, tout l'électrocardiogramme. ça, oui, c'est des instruments de mesure. Bon, jusque-là, il faut le dire, le ministère du Commerce ne faisait pas tout cela. Cette année, on a décidé d'innover. Donc, nous sommes en convention avec des structures spécialisées. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous équiper grâce à tous les efforts que notre ministre a fait. Nous aurons tous les équipements et dans un avenir très proche, nous pourrons véritablement vérifier l'ensemble des instruments de mesure qui sont en service en Côte d'Ivoire. D'accord, cette campagne de vérification périodique, comment est-ce que la population va la ressentir sur le terrain? Ben, naturellement, avant qu'elle ne démarre, on fait une large campagne. C'est pourquoi je suis sur ce plateau ce matin. Deuxièmement, nous invitons donc, nous envoyons des courriers au préfet et à tous les responsables des associations de consommateurs. Et nous leur demandons de faire en sorte que cette campagne se passe dans de bonnes conditions. Ceux qui sont des détenteurs d'instruments aussi, on leur demande de tout faire pour mettre les instruments à disposition. Ce n'est pas la peine de les soustraire au contrôle parce qu'après ça, il y aura une autre phase où on assure la surveillance, où on ne prévient pas, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de communication. Bah oui, parce que j'ai failli dire, Voilà. si vous avertissez comme ça, chacun va se mettre aux normes le temps de la période de vérification et puis après, on revient aux habitudes. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'on a même coutume de dire qu'il y a deux types de balances. Il y a un qui est détraqué qu'on met de côté le jour de nos contrôles et puis il y a celui qui est bon qu'on nous présente et juste après ça on sort celui qui est détraqué. Ou bien on Ben, règle. où on règle. Et alors ce que le législateur a prévu, c'est de faire en sorte que celui qui échappe au contrôle où on prévient qu'il n'y a pas un contrôle répressif, qu'on appelle communément la campagne de vérification périodique en lieu des instruments de mesure, celui qui soustrait les faux instruments qu'il détient, ben il a toutes les chances de se faire prendre à la surveillance où on ne prévient pas, ou alors il sera sanctionné, les amendes varient de 36 000 à 10 millions, alors qu'actuellement ce n'est pas C'est pas répressif. encore répressif. C'est pas répressif. Et la campagne est prévue pour... Bon, nous avions démarré depuis le 15 de ce mois et ça va s'étaler jusqu'au 15, au 15 novembre. Selon la période réglementaire, on doit faire ça dans une période de 3 mois et ça va nous permettre de vérifier tous les instruments.
dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans les 19 directions régionales, dans le district d'Abidjan où nous avons 3 directions régionales et dans 5 directions départementales. Ça nous permettra. On a déjà fini une première phase qui consistait à vérifier tous les distributeurs de carburant sur l'ensemble du pays et on a eu tous les résultats qu'il faut. Aujourd'hui, nous lançons la deuxième phase qui est la grande masse des instruments de mesure où on aura des centres de vérification dans les communes, dans les sous-préfectures, dans les villages. Et puis nous allons regarder l'ensemble de tous les instruments de mesure qui se trouvent sur les marchés, dans les pharmacies, dans les cliniques privées, dans les supermarchés, hypermarchés, dans les sociétés, dans les entreprises. On pourra vraiment passer en revue. Je voudrais pour votre information indiquer qu'au total, on a sur l'ensemble du pays, on a 306 agents qui sont en ce moment redéployés sur le terrain pour pouvoir procéder à ce contrôle. Spécifiquement à Abidjan, on a 116 et puis en direction régionale et départementale, on a 190. Wow. Mais voilà, je pense qu'on a glané le maximum d'informations relativement à cette campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2014. C'est une activité du ministère du Commerce. Et vous, Monsieur Oulaï François, je rappelle, vous êtes directeur général par intérim du commerce intérieur. Un contact éventuellement pour les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec vous. Mais je suis au 0202 68 94 45 80. 0854 0877 4303. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. Merci, madame. Et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine en notre compagnie. Merci, madame.